Allez, salut tout le monde, c'est NBSAT, bienvenue pour ce 18e épisode sur le jeu Assassin's Creed Origins. Lors du dernier épisode, nous avons été faire la remise de médaillons pour le clairvoyant qui nous a ensuite emmenés sur une petite île où il y a eu un petit bug de ma part. Je l'admets, sans aucun souci. J'ai merdé et j'ai buggé. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Donc, nous avons passé la nuit et tout simplement, il avait disparu au petit jour. Pour le moment, nous n'avons pas d'autres nouvelles de lui. Nous verrons dans la suite de l'aventure si nous en aurons. Mais pour le moment, nous allons nous contenter de faire des quêtes annexes. Comme on peut le voir ici, en bas. Cet endroit est très bien gardé. Oui, mais de toute façon, le but, là, c'est pas justement... Hop. Hé, tu vas où toi? Tu n'es pas très rapide pour un Medjay. Ah, en plus c'est super dur hein, parce que bah, c'est-à-dire qu'il s'arrête pas quoi. Plus ça se passera mal pour toi. T'avais pas vu toi. C'est bon, c'était assez convaincant pour toi? Ah, t'as fait exprès quoi. Tu m'as amené ici pour te débarrasser de ces bandits. Bien sûr, je suis très malin. Oui. Si tu es si malin, comment tu t'es retrouvé forcé à travailler pour des bandits? Je ne travaille pas pour eux. Une vieille mégère a enfermé plusieurs d'entre nous. Elle nous oblige à voler pour elle. Enfermé? Oui, ma sœur devait nous délivrer. Elle m'avait dit de la retrouver près du chantier naval. Mais elle n'est jamais venue. Tu veux bien la chercher? Je te volerai une pomme. Tu n'as pas besoin d'acheter mon aide. Je te l'offre. Comment s'appelle ta sœur? Kawit. Et moi, c'est Ifri. Si tu trouves Kawit, dis-lui que je lui en veux. Et Kawit, est-ce que de temps en temps, elle fait caca? Je sais, c'est nul. Bon, on va aller libérer sa sœur ou je sais pas quoi là. Ok, donc il n'y a pas l'air d'y avoir d'ennemis ou quoi que ce soit. Ce navire ne voguera pas avant longtemps. Ce navire était en cale sèche quand il a brûlé. Des traces d'huile. Ah, je pense que ça se voit. Juliette, cet incendie a dû rendre Ray jaloux. Oui, il paraît que le navire a pris feu dans le port hier soir. Comment c'est arrivé? J'en sais rien, je me contente de le remettre en état. C'était hier soir et tu y touches déjà, à mon avis, si c'était juste hier soir, ça doit être déjà encore brûlant. Hein. Après, tu fais ce que tu veux, mon gars, mais... Un marchand d'huile. Il a peut-être vu Kawit.
mât du navire qui a brûlé. Une voile de couleur. C'est assez rare. Les enfants sont gardés en cage. Alors toi, mon gars, tu risques de prendre cher si tu me dis pas ce que j'ai envie d'entendre. Je lui casse la tête. Arrête, espèce de brute. Je vais tout te dire. Parfait. Ouais. Et la deuxième fois, elle était en train de voler la plus grosse jarre. Elle s'est évanouie comme un démon en plein jour. À mon retour, des vauriens étaient en train de détruire mon stock. Puis tout est pareil, pourrir au fond du Nil. Je crois que j'ai compris ce qui s'est passé ici. Kawit a volé une jarre d'huile à cet imbécile de marchand. Et elle l'a caché en attendant la nuit. Profitant de l'obscurité, elle a versé l'huile dans le navire. Et elle y a mis le feu. L'incendie s'est étendu à tout le navire. Pendant que le navire brûlait, Kawit a libéré les enfants retenus sur les quais. Mais les bandits ont dû l'attraper. Le responsable des enlèvements est probablement le propriétaire de ce navire. Eh ben, on va aller le voir. On va aller lui faire un bisou à l'épée. À l'épée ou à l'arc, je sais pas trop. On va voir. T'es mon cheval ou t'es pas mon cheval, toi? T'as l'air d'être mon cheval. Bon, écoute. Au revoir. Non, non, on va attendre d'être encore un petit peu plus près pour faire appel à Sinou. Ah, tu vas me dire qu'il est sur un bateau? C'est ça? Ok, donc il n'y a pas l'air d'y avoir énormément de monde, donc ça devrait pouvoir le faire assez facilement. Voilà cette voile colorée. Les bandits sont à la recherche de l'enfant. On n'a pas pu aller bien loin. Alors, les indices? C'est la petite sorcière qui a mis le feu au navire qui les a libérés. Make-up.
pouvoir nous surprendre. Si tu savais, mon gars, mais alors. Allez, bisous. Alors, il y a un coffre ici, on a vu. Hop, on prend. Oh, il est où? Je crois pas que ce soit celui-là. Hein. Par contre, celui-là, il a l'air bien, mais je peux pas encore le prendre. Il est où? Bon, bah, je sais pas où il est. Tant pis. On a une nouvelle arme, apparemment. Ouais, effectivement, mais c'est encore des gros, donc tant pis. On va rester comme ça, hop, et on va aller parler. Bon, ils t'ont pas trouvé là, en fait. Et sacré manche, quand même, hein. Ils l'ont emmené avec tous les autres dans une maison de la ville. La maison d'une dame riche, Gaïa. C'est tout près du temple d'Ator. Tu vas sauver ma famille? Au nom de la déesse mère, je le ferai. Alors, ensuite. Hop. On va se rapprocher encore un petit peu. Doucement, doucement, doucement. Voilà, on va se rapprocher comme ça. Voilà, stop. Ok, donc hop, on va s'en rapprocher un petit peu. Ok, donc il y a un garde là. Ça, c'est des gardes aussi, je m'en doutais. Je pense qu'il doit y avoir des gardes aussi sur les toits. Ok. Donc tout ça, ça a l'air d'être une demeure, là. Hein. Mais il n'y a pas tant de gardes que ça. Ou alors, il y en a aussi à l'intérieur de la maison, peut-être. Ok, il n'y a pas tant de monde que ça, en fait. D'accord. C'est quoi que tu me signales, là? Ouais, mais ça, c'est plus tard. Je me demande pourquoi je suis parti. Moi, je sais pourquoi je suis parti. Je n'aimerais pas savoir ce qu'elle pense de moi. T'as rien vu. Ouvre l'œil, frère. Il est mort, ton frère. Oh, t'en as un là!
Pourquoi ce garde avait-il une clé? Elle doit ouvrir quelque chose d'important. Longue vie à toi. C'est Nev qui t'envoie? Non, c'est Ifri. Où il est? Comment ça? Je t'ai suivi tout le temps. Ramène Mathia à la maison. Vite, vite. Hey, pourquoi tu ne vas pas avec eux? Je dois retrouver la maudite romaine qui a fait ça à ma famille. Si tu veux m'aider à la tuer, retrouve-moi chez Nev. Oh mais Ok. Retrouve-moi chez Nef. Alors propose-moi la mission s'il te plaît, parce que sinon ça va être chiant. Non. Non. Bon. Ok, donc je dois te retrouver, mais le truc c'est que je sais pas où t'es. Donc ça je peux pas parce que j'ai pas encore le niveau requis. Ça par contre je peux, donc on va aller faire celle-ci. Ah, attendez. Il y a un point d'interrogation là. On va aller voir le point d'interrogation. Le point d'interrogation qui se trouve là. Voilà. Vous avez rien vu. Non, il n'y a personne. Je vais te tuer. Je te tiens à toi. Non, tu m'as pas vu. Vous me voyez pas, mais j'ai le sourire aux lèvres en fait. Voilà! Merci! Bisous! Ok, donc il y a quelque chose là.
Donc il y a un autre trésor ici, mais je sais pas où il est. Il est de mon avis que ça doit se trouver dans la flotte. Il y a des choses là-bas. Mais ça a pas l'air d'être dans la flotte. Ok, donc j'ai récupéré ce qui était dans la flotte, mais par contre, c'est pas... Ok. Bon bah du coup tant pis. En tout cas on l'a fini apparemment parce qu'il n'y a plus le point d'interrogation. Donc c'est, bah écoutez, j'ai envie de dire c'est parfait. On va aller voir le champ de Tamatap. Tamatap. Pourquoi pleures-tu? Ta malédiction est levée. Tu as perdu un enfant. Tu dois savoir que la peur d'une mère ne connaît aucun repos. Comme la rage d'un père. La peur et la rage aident à supporter les douleurs de la vie. Pitié, laisse-moi mes larmes. Neb, si tu veux bien me suivre, mieux vaut la laisser pleurer seule. Puis-je faire quoi que ce soit pour l'aider? Elle a trouvé un rite de protection dans un vieux rouleau. Il ne manque que quelques ingrédients pour... Je les trouverai. Ok, donc on va juste aller à la chasse aux ingrédients. D'accord. Attends, Neb. Oui. Une âme patiente est une âme troublée. Madame a besoin de fragments d'oiseaux fraîchement tués. Et accepterais-tu d'apporter un talisman de fertilité en faïence bleue? On trouve ce genre d'objet dans une échoppe située au sud du bassin du temple.
Je vous retrouverai ensuite sur la route qui mène aux pyramides. Bonne chance à toi. Voilà, désolé, j'étais en train d'écrire le titre de l'épisode. Parce que oui, du coup, le titre sera Les enfants du bateau en feu. Parce que c'est clairement, c'est plus intéressant que ce qu'on nous demande de faire là. Et voilà. Ensuite, j'irai chasser les oiseaux. Chameau, non mais je préfère encore être à pied quoi. Attention, merci. Un tombeau abandonné. La servante a dit qu'il y avait une échoppe ici. Drôle d'endroit pour une échoppe. Ahmed, bienvenue dans ma boutique. Un Medjay? Quelle surprise. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas vu de Medjay. Nous sommes peu nombreux. J'ai entendu un serpent maintenant. Les marchands qui tiennent boutique dans un tombeau. Mes clients apprécient la discrétion. Et semblent moins regardants quant à la variété. Mes clients savent que j'ai toujours ce qu'ils recherchent. J'espère que ce sera le cas pour moi. Je peux jeter un coup d'œil? Mais je t'en prie. Regarde et prends ton temps. Pardonne-moi, mais j'ai quelques affaires à régler. J'y serai bientôt de retour. Et dans la deuxième salle, reposent des biens matériels d'Orapolo et Chesh, afin de les protéger et d'assurer leur subsistance. Le message est incomplet. Je me demande ce que dit le reste. Tu cherches des runes magiques? Rien de précieux dans cette salle. Pourquoi cette marchande vend-elle des choses aussi communes? Elle cache quelque chose. Un inventaire. Le talisman en faïence bleue y est inscrit. Donc c'est un collier de mort en or avec perles de lapis-lazuli. Je ferais mieux de continuer à chercher. Personnellement, je pense que c'est pas la vendeuse que on a croisée. Marchand ne voulait pas que je voie cette partie de sa boutique. Il doit s'agir d'objets volés. Un talisman de fertilité. Taïmotep sera contente. Voilà. Comme ça, elle saura pas que j'ai été de l'autre côté.
fait peur à nos clients. Merci. Voilà. Bah écoute, t'es déjà dans ton trou, comme ça t'es bien. Alors je vais juste aller voir ce que la couturière, juste ici, propose maintenant que j'ai acheté toutes les... Bah elle est où la couturière ? Ah là-bas. Maintenant que je lui ai acheté tout ce qu'on me proposait, il y a de nouveaux habits, d'accord. Donc du coup, chasser les oiseaux. Ah, ils nous disent pas dans quel coin on doit chasser les oiseaux, d'accord. Donc il faut que je tue des flamants roses et des hérons. Que le plus grand maître des artisans veuille bien me pardonner. J'étais certain que c'était lui qui avait jeté cette malédiction sur Memphis. Beaucoup d'autres l'ont cru. Ne te sens pas. Un jour où j'étais venu faire mes dévotions, j'ai eu l'occasion de parler à un prêtre d'Anubis. Il m'a chuchoté des horreurs à propos de Pacherepta. Il a parlé de rites abominables et d'autres choses terribles. Il doit y avoir autant de complots et de jalousie au temple qu'à la cour. Ok. Que le plus grand maître des artisans veuille bien me pardonner. J'étais certain que c'était lui qui avait jeté cette malédiction sur Memphis. Beaucoup d'autres l'ont cru. Ne te sens pas. Un jour où j'étais venu faire mes dévotions, j'ai eu l'occasion de parler à un prêtre d'Anubis. Je vais te tuer.
Yalla, yalla. C'est pas moi. Mais il m'a fait mal, alors du coup, voilà. Un autre flamant rose, s'il vous plaît. Vous allez pas me dire que j'en ai tué un, que du coup je dois changer de zone quand même. Il doit y en avoir d'autres. C'est chaud à voir les ronds. Hein. Que le plus grand maître des artisans veuille bien me pardonner. J'étais certain que c'était lui qui avait jeté cette malédiction. Que le plus grand maître des artisans veuille bien me pardonner. J'étais certain que c'était lui qui avait jeté cette malédiction sur Memphis. Ne te sens pas. Beaucoup d'autres l'ont. Un jour où j'étais venu faire mes dévotions, j'ai eu l'occasion de parler à un frère d'Anubis. J'ai eu l'occasion de parler à un prêtre d'Anubis. Ah, mais... Bienvenue à la personne qui rejoint en live. Et c'est de la folie le héron que j'ai ciblé là, il s'éloigne de plus en plus. Normalement il reste toujours à peu près dans la même zone quand même. Trop loin là. Ah, j'ai essayé au cas où, mais j'ai même plus le héron. D'accord. Bon bah c'est cool. ah si. Ah oh, mais il s'éloigne de plus en plus. Non alors on va enlever le. Voilà. Donc il faut qu'on trouve encore un héron et un flamant rose. On va retourner un petit peu dans les marais. Que le plus grand maître des artisans veuille bien me pardonner. J'étais certain que c'était lui qui le plus grand maître des artisans. Bonjour. Oui. Ok. Il nous manque plus maintenant que un héron. Et on pourra finir cette mission qui dure depuis trop longtemps maintenant. C'est pas un héron ça. Ça à la base est peut-être plus un héron. Ok. Donc on va traverser. C'est pas un héron ça. Non.
Ça, c'est un flamant rose. Descendu. Que le plus grand maître des artisans veuille bien me pardonner. Oh mais j'étais certain que c'était lui qui avait jeté cette malédiction sur Memphis. Beaucoup d'autres. Alors ce PNJ qui arrête pas de se répéter toutes les deux secondes, ça commence un petit peu à être saoulant sur les bords. T'es sérieux? Ok. Il y a un petit bug là, mais d'accord. Genre tu pouvais pas... Non, d'accord. Toi t'es pas un héron toi, non. T'es trop petit pour être un héron, toi t'es un aigle. Où est-ce qu'il y a un héron? Alors ça là-bas, ça a l'air d'être un héron. Sauf que le temps que j'y arrive, il sera déjà parti depuis... Mais non, mais sérieux? Franchement, ce jeu est un peu mal calibré au niveau des... Des fois, il monte sur des trucs qu'on veut pas, et des fois, sur les trucs qu'on veut qu'il attrape, et rien à foutre, quoi. Il va juste à côté. Il y a beaucoup d'oiseaux, mais il n'y a pas des ronds, quoi. Je vais aller juste là. Alors un héron. Un héron, ça se trouve justement près de la flotte, on est d'accord. Entre les maisons et la flotte. Donc si je vais... Ça c'est un flamant rose. Si je vais en bordure d'eau là. Normalement ça, je devrais pouvoir en trouver. Ça c'est encore un flamant rose, flamant rose, flamant rose. Trois flamants roses. Alors maintenant qu'on a plus besoin de flamant rose, oui on en trouve. Hein. Par contre le héron... On va se rapprocher un petit peu de l'eau. Donc là, dans le coin, normalement, logiquement, je devrais pouvoir trouver un héron. Pas des moustiques comme je viens d'entendre dans le casque. Hein.
Ça, c'est pas un héron. C'est pas un héron, ça. Je vois même pas les oiseaux, quoi. Là, il y en a un. Non mais non, non mais non, allez. Ah. Voilà. Et c'était quoi la bestiole là, qui était juste là C'est crocodile là? Non mais sérieux. Ah mais dis donc. Il va falloir se calmer, hein. C'est pas gentil de déranger les gens qui font de la chasse comme ça. J'ai tous les objets. Il me reste à aller au rendez-vous sur la route des pyramides. Bah alors. Bon, bah, on va le re-rappeler. Il va se téléporter un petit peu. Quand tu veux, cheval, hein, tu me rattrapes quand tu veux. Dégagez le passage. Bonsoir. Alors, j'aime bien le dégager le passage. Et ceux qui virent direct, quoi. Ceux qui font le détour. Bonsoir. Salut, vous priez, tout va bien. la sortie, s'il vous plaît. C'est pas là. Bonsoir. Bon, rien, ça va. Je me promène. Oh, ça va, c'est un coup de cheval, c'est pas non plus. Bon, écoute mon cheval, on se dit à très vite, hein. Je sors, je te rappelle. Parce que là, c'est un peu la chienlit pour sortir de là-dedans. Hein. Donc, je sors et je te rappelle. Voilà. Tut tut. Tut tut. Ah bah j'avais klaxonné, hein. J'ai pas eu le temps de klaxonner. Oh, hey, salut. Hop là. Le clairvoyant a eu raison de t'appeler le libérateur. Le rite doit être accompli à l'ombre de la lune, au pied de la pyramide de Djeser. Acceptes-tu de nous protéger, ma servante et moi? Il peut y avoir de nombreux dangers sur la route. J'en serai ravi. Alors partons pour la pyramide et attendons sereinement que la lune nous offre ses splendeurs.
La région n'est pas sûre. Pourquoi ne pas avoir pris plus de garde? Ce rite doit demeurer privé. C'est pour ça qu'on reste à l'écart de la route. Oui, c'est moins sûr, mais plus discret. Et c'est pas une route, ça? Mon mari n'a pas de fils. Cela nuit à sa renommée aux yeux du peuple. Et si l'on apprend que j'ai perdu des enfants, cela mettra en doute sa capacité à intercéder auprès des dieux. Certains répondent. Pourrait pas couper là, en fait? Si c'est là qu'on va, je vous tape, hein. Très bien. Mais bête, ce n'est pas ta faute. Silence, Mara. Je sais que tu veux bien faire, mais les écrits ne mentent pas. C'est la femme qui est à l'origine du sexe de l'enfant. Ouais. Ce n'est pas ce que je crois, Nebet. Bon, ça va, je vais pas vous taper. Nous avons déjà eu cette conversation. Alors maintenant, taisons-nous. Nous serons entendus et surprises par des oreilles hostiles. Bonne idée. Je suis pas hostile. Salut! Salut! Attends. Salut! Bisous! Salut! Il a rien à me proposer, dommage. Mais non, c'est bon. Y'a personne! On pouvait pas aller tout droit en fait, plutôt que zigzaguer pour rien là? Nous sommes arrivés. Mon épée te protégera de ceux qui voudront interrompre ton rite. Que Ptah te bénisse. C'était quoi ce... Oh non! J'avais juste un peu froid aux burnes. Bon, c'est bon? Qu'est-ce qu'il y a? Je me comportais un petit peu bizarrement, alors du coup vous avez peur? Ça va, quoi? Chaque matin de mon enfance, mon père et moi disions la prière du Medjay, promesse envers les nécessiteux. Je suis un Medjay. Je suis la plume sur l'aile de l'aigle, une dague vivante qui plonge du ciel vers le cœur du chaos. Je suis une vérité inconnue, un fourreau vide, un fils du Nil et un défenseur du peuple. On ne peut me tuer. Car je marche parmi les morts. Viens vers moi le jour, je te guiderai chez toi. J'aurais dû apprendre cette prière à mon fils. Ah, c'est tout, on n'a même pas besoin vraiment de les... D'accord. Pas besoin de les protéger ou quoi que ce soit, c'est... Vas-y, c'est fini, comme ça, merci, au revoir. Ok, bon. Ça fait 57 minutes que l'épisode a commencé. Je pense pas pouvoir faire quelque chose pour terminer en moins que ça dure une heure. Donc, on va s'arrêter là. Oh mon dieu. Donc on se dit à très vite. Allez, salut tout le monde.